Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'ai offert des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un panneau ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PS4 dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTechSB. Je te souhaite une bonne chance, c'est une bonne vidéo. Hey, bien salut tout le monde, c'est FinTechSB. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. On n'oublie pas, comme d'habitude, de tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Cela me fera vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à le faire dans la boutique d'objets. Comme vous avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau glitch afin de vous faire 3 nouveaux tickets de remboursement. Du coup, je vais bien vous montrer dans mes paramètres que je ne possède aucun ticket de remboursement. Du coup, voilà, juste ici, je possède aucun ticket de remboursement, 0. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir 3 nouveaux tickets de remboursement, tout ça gratuitement. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Première étape, n'oubliez pas, comme d'habitude, de tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Alors, tout simplement, pour commencer, vous allez vous rendre juste ici. Là, vous allez partir dans paramètres, là vous allez partir juste ici et là vous allez faire dans quête d'opinion, voilà c'est juste ici, et là vous allez cocher et là vous allez vous mettre sur nom, c'est super important. Là vous allez faire le bouton appliquer, là vous allez acheter dans achat récent, là vous allez faire se faire rembourser un achat, voilà vous devez faire un achat sur Fortnite il y a pas longtemps. Du coup moi j'ai utilisé le ticket de remboursement du 11 avril. Alors là, j'ai fait utiliser un ticket de remboursement. Là, il y a un petit message d'erreur comme quoi je ne possède plus de ticket de remboursement. Alors, c'est vraiment pas grave. Ce que vous allez faire OK. Là, vous allez revenir au lobby de Fortnite. Vous allez partir juste ici. Là, vous allez partir dans assistance. Voilà, vous allez partir dans signalement. Là, vous allez partir signaler un bug ou un joueur. C'est super simple. Là, vous allez partir dans signaler un bug. Vous allez descendre tout en bas. Boutique casier au salon. Vous allez cocher la case. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas, vous allez cocher la case. Là, vous allez faire refaire la capture d'écran, voilà, c'est super simple. Là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Là, vous allez attendre quelques secondes. Voilà, c'est vraiment super simple. Envoi du signalement IP Games. Là, vous allez faire un nouveau retour. Vous allez attendre quelques secondes. Là, vous allez faire signaler un bug. Boutique casier ou salon, voilà, c'est vraiment super simple. Le prix des objets est incorrect, voilà, vous avez bien coché la case. Là, vous allez faire le bouton continuer. Et là, vous allez faire le bouton accepter. Voilà, c'est vraiment super simple. En mode de signalement IP Games, là vous allez faire le bouton fermé, vous allez vous rendre dans la boutique d'objets. Ça vous met dans la boutique de V-Bucks, vous allez cliquer sur l'achat de 2800 V-Bucks. Ça vous met l'écran noir de paiement de votre plateforme. Alors c'est vraiment super simple, vous allez faire le bouton retour. Et là vous allez revenir au lobby de Fortnite, vous allez retourner dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Dans achat récent, là vous allez faire utiliser le ticket de remboursement mais du deuxième achat que vous avez fait. Voilà, c'est vraiment super simple. Voilà, les deux derniers achats, vous allez sélectionner le deuxième ticket de remboursement. Là, je fais utiliser un ticket de remboursement. Voilà, Infusance Crédit Funds, Refund Crédit. Là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Là, vous allez faire le bouton OK. Là, vous allez cliquer sur la case de V-Bucks. Ça va vous mettre dans la boutique de V-Bucks. Là, vous allez retourner au lobby. Là, vous allez partir dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Et là, vous allez réactiver vos quêtes d'opinion. Faire le bouton retour. Et là, vous allez attendre une à deux journées avant qu'Epic Games voit votre message et vous met vos tickets de remboursement, soit gratuitement, sans attendre plus de un an, sans avoir de ticket de remboursement. Et grâce à cette méthode, vous pourrez obtenir vos tickets de remboursement deux fois plus rapidement. C'était FinTechSB. On n'oublie pas, comme d'habitude, de s'abonner à la chaîne YouTube, de tous poser un petit pouce bleu et bien sûr le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Allez, ciao tout le monde!